C'est parti. Alors, c'est pas parti bien loin. <laughs> c'est parti pour ta manifestation sous la constellation du Sagittaire en douze étapes de la situation si tu la reconnais pour toi à la manifestation la douzième étape tout à la fin qu'on découvrira ensemble à cette occasion en passant par la personne qui contribue à ta manifestation la personne la plus importante dans son influence vis-à-vis -vis de de ton expérience, qu'on verra plus en détail en extension pour ceux qui en avaient envie ou besoin. Ok. Toi, tu cherches à faire évoluer possiblement ta situation familiale, conjugale, parentale, territoriale. Peut-être que ça va te conduire à voyager. Peut-être que ça va te conduire à changer de trajectoire, littéralement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Clairement, on a euh, beaucoup de choix pour toi. Tu as l'embarras du choix. Il y a quelqu'un qui se propose à toi, avec qui tu es déjà en contact, apparemment, qui veut s'engager. Il y a quelqu'un qui, depuis une intention d'engagement officielle, veut s'investir avec toi à un moment donné te retrouver, partager de très bons moments, mais faire en sorte surtout que la relation devienne durable ou, ou soit durable ou te proposer une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation à l'horizon pour certains, certaines d'entre vous et sinon, pour d'autres, vous êtes déjà en train de vous dater, d'apprendre à mieux vous connaître, etc. Mais il y a d'autres euh, possibilités qui s'offrent à l'horizon pour toi. Euh, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de chercher à vous libérer d'une loyauté familiale invisible que vous vous êtes tapé durement, apparemment, en verso, en maison 5, sur une scène créative, amoureuse, sensuelle, sexuelle, parentale de projets comme d'enfants, en essayant d'obtenir le soutien dont vous avez besoin pour sortir de là, apparemment. Et certains, vous faites vos cartons, quoi, hein c'est pas de la blague. Il y a un déménagement dans l'air pour certains, certaines d'entre vous. Et pour d'autres, il euh, y a une grosse explication euh, au sein de vos couples. Que ce soit des couples d'ailleurs professionnels, administratifs, légaux, ou que ce soit des couples euh, plus personnels, familiaux, amicaux ou, am ou amoureux, quoi, conjugaux et maritaux. Il y a une grosse explication. C'est OK, euh, donc euh, rien va changer, rien va bouger. Euh, on en est toujours au même point. Euh, plus, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait Toi, tu veux te libérer d'une injonction euh, familiale, conjugale, parentale, territoriale, de malade en fait, et tu vas y arriver. Hein tu vas y arriver. Ouais. Si tu te la reconnais, euh, ta situation pourrait être celle de la papesse du denier inversé en Lyon, en maison euh, 12 projetée en verso en maison 6 où tu dois faire un choix tu dois arrêter de verser dans, dans une dynamique relationnelle à quelqu'un à quelque chose ou un environnement tout entier et faire un autre choix beaucoup plus soutenant pour toi sur le plan euh, de ton quotidien de vie de travail de santé de soins de services de bien-être aux personnes comme aux animaux pour pouvoir retrouver une forme de stabilité d'équilibre d'indépendance quoi? Ton challenge, c'est de vivre un développement beaucoup plus serein que celui euh, depuis lequel tu viens sur le plan professionnel, vocationnel et contributif, social, économique, associatif et caritatif, te donner la chance de mettre ton énergie créative, sensuelle, sexuelle, amoureuse, au service véritablement euh, d'un apaisement, d'un mei meilleur engagement, d'un engagement d'une meilleure qualité sur le plan émotionnel vis-à-vis -vis de ce que tu veux véritablement voir fructifier. Et Développer sereinement. Ça, c'est ton challenge, apparemment, de récupérer une forme de souveraineté de ton énergie. L'influence cachée, euh, il faut être clair ici, avec l'armée de l'épée inversée, c'est l'influence de quelqu'un avec qui soit tu es encore en relation, soit tu as été en relation à un moment donné, en balance en maison une projeté en Bélier en maison 7 euh, c'est quelqu'un qui n'est angoissé de rien, n'est anxieux anxieuse de rien, n'est pressé de rien, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu de ce qui se joue entre vous possiblement parce que d'une manière ou d'une autre le déséquilibre ou l'injustice le manque de développement joue à son avantage pas au tien. Donc forcément, c'est pas cette personne qui va d'une manière ou d'une autre s'inquiéter de quoi que ce soit parce que c'est pas c'est pas cette personne qui qui cherche à s'adapter à quoi que ce soit, en fait. Il y a une suradaptation dans laquelle cette personne ne verse absolument pas parce que tu verses dans cette suradaptation pour deux ou pour trois, apparemment. Euh, ton intention à toi, avec le 6 de coupe inversé, elle est très étrange. En Sagittaire, en Maison 4, projeté en Gémeaux, en Maison 10, c'est comme si tu voulais chercher ta paix ailleurs. Ta paix, elle est en toi à les retrouver. Mais là, je pas quelqu'un qui veut retrouver la paix, j'ai quelqu'un qui veut projeter un état d'agitation émotionnelle dans des interactions avec quelqu'un sur le plan professionnel, vocationnel, contributif, social, économique, associatif, caritatif, pour pouvoir se débarrasser de cette agitation et retrouver éventuellement la paix. Mais ce que tu donnes, tu le démultiplies, donc fais bien attention. Fais bien attention cette ouais, réclame apparemment de vouloir te débarrasser de cette agitation dans tes interactions. Euh, le 3DP inversé, de nier un chagrin en fait que tu vis en vierge en maison une. Et toi, tu pourrais me dire non, mais avec le temps, ça va finir par passer. Les choses vont finir par s'arranger. Non, en fait, avec le temps, les choses, elles ne s'arrangent pas, elles se répètent. Quand tu ne comptes que sur le facteur temps dans ta vie, tu ne fais que répéter davantage de ce que tu voudrais voir être réglé ou de ce que tu voudrais. Euh, de ce dont tu voudrais te libérer. Et donc en Vierge, en Maison 1, projetée en Poisson, en Maison 7, c'est comme si ton comportement devait compter sur quelqu'un d'autre dans tes relations professionnelles ou plus personnelles, familiales, amicales ou amoureuses, pour pouvoir te stabiliser toi intérieurement. Et ce que tu génères de ça, c'est l'impératrice inversée, c'est que du coup t'es pas du tout aux commandes euh, de ce que tu tentes de générer, de gérer, de faire fructifier dans ta vie comme expérience physique, relationnelle, matérielle et financière en fait. Et donc tu te programmes euh, par projection en scorpion entre les maisons 2 et 3 à vivre une expérience de séparation, de deuil, de perte, de conflit, de confrontation qui dans leur influence peuvent vraiment altérer la, la qualité de, de tes relations les plus immédiates, la qualité de tes interactions, euh, de ta liberté, de ton autonomie, de ton sens de l'inclusion, en même temps que d'altérer la qualité de ton expérience physique, relationnelle, matérielle et financière. Quoi. Ton pouvoir dans cette histoire, c'est le roi du denier en poisson, en maison 6, c'est de te concentrer sur euh, un projet, sur une... Sur un ouvrage, sur quelque chose qui puisse te permettre de retrouver une certaine souveraineté très concrète, permettre de, te re de, de retrouver une certaine, euh, une certaine discipline de vie, te permettant d'améliorer une stabilité au quotidien sur le plan physique, relationnel, matériel et financier. Ça, c'est ton vrai pouvoir de redresser la barre, quoi. Mais à, en commençant par toi-même et par ce que tu te proposes au quotidien comme routine et comme, euh, comme discipline et comme habitude. On a tous une routine, on a tous une discipline, elle n'est pas forcément toujours aidante. Donc, quelle est la routine, la discipline que tu es en train de suivre euh, Même si toi, tu pourrais me dire, bah, du coup, non, le mon problème, c'est que je n'ai pas de routine, j'ai pas de discipline. Si, si, tu en as une. Parfois, le fait de ne pas avoir de discipline, c'est une discipline. Tu vois ce que je veux te dire et donc dans ton manque de discipline ou de rigueur vis-à-vis -vis de ta propre souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière, il y a des choses que tu fais de manière répétée qui ne sont peut-être pas forcément euh, idéales pour toi en termes de bien-être sur du moyen ou du long terme. Et il y a des choses que tu répètes à ne pas faire, que tu persévères à ne pas mettre en place. C'est déjà une routine, c'est déjà une discipline. La personne importante dans cette histoire, c'est le 6 de l'épée. C'est quelqu'un qui entre en communication avec toi, en gémeaux, en maison 10, sur la scène de ta vie professionnelle, vocationnelle et contributive, à distance. Et c'est quelqu'un qui est tiraillé, qui doit faire un choix. Comment cette personne te voit comme l'empereur inversé Comme quelqu'un qui peut être abusif, l'air de rien. C'est très étrange ce que je vois. Cette personne pourrait me dire que tu es tout à fait capable d'une forme de passive agressivité, euh, peut-être même inconsciente à toi-même, hein, dans tes relations aux autres. C'est très étrange. C'est quelqu'un qui te voit pas sous, sous le meilleur jour, en fait. Hein. Si de l'épée qui, qui voit l'empereur inversé en toi, c'est pas quelqu'un qui te voit de la meilleure façon, hein. Et bizarrement, vous avez une relation parce que cette personne te voit comme l'empereur inversé, donc depuis le bélier entre les maisons 8 et 7, projeté en balance entre les maisons 1 et 2. C'est quelqu'un qui se demande comment faire pour s'éloigner de toi, en fait. Et cette personne est en train de se dire, en gros... Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais cette personne est en train de se dire Mais en fait, le Sagittaire est dans mes relations professionnelles il est impliqué dans mes relations commerciales, administratives, légales, de santé, amoureuses, maritales, conjugales, familiales, amicales et je ne vais jamais m'en sortir. Waouh Qu'est-ce que cette personne contribue à ce que tu manifestes le page du bâton le fait de te retrouver dans une situation où tu n'auras pas d'autre choix que d'exercer ton pouvoir plutôt que possiblement compter sur le pouvoir des autres en pensant que, tu, que toi, tu pourrais être impuissant ou impuissante à le faire par toi-même, pour toi-même, dans ta propre expérience de vie. Parce que c'est ça que cette personne trouve abusif en fait vis-à-vis d'elle ou de lui. C'est que tu n'exerces pas ton pouvoir depuis une déclaration d'impuissance qui n'est pas vraie. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas impuissant dans ta situation. Et tout pendant que tu vas déclarer que tu l'es, d'une manière ou d'une autre, bah tu vas paraître à cette personne comme étant passif-agressif dans tes comportements. C'est que, que tu vas dire d'un côté, peut-être, tu vois, mais c'est totalement inconscient de ce que je vois, tu vas dire d'un côté que tu es impuissant, impuissante, mais de l'autre, quand on va te proposer quelque chose, tu vas dire que non, c'est pas ce que tu veux ou non, tu ne peux pas, ou non, ceci, ou non, cela. T aimerais faire ceci, mais pour toutes les, tout, pour, pour tout plein d'autres raisons, bah non, ça ne va pas. Et donc, en gros, tu crées une forme d'étau, pas seulement pour toi, mais dans l'influence que tu as aussi vis-à-vis -vis de ceux qui t'entourent. Aïe, 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 aïe. Et donc, euh, oui, tu manifestes une situation. En Scorpion en maison 2 où tu vas pas avoir d'autre choix que d'exercer euh, ton propre pouvoir créateur ta propre autorité en fait il y a beaucoup de gens qui veulent reprendre leur pouvoir mais on ne peut pas reprendre son pouvoir tant qu'on l'exerce pas reprendre son pouvoir et le garder c'est continuellement exercer son pouvoir c'est devenir responsable à 1000% de ses choix de ses pensées de ses actes de ses émotions c'est à dire que tu laisses rien à la responsabilité, ni même à la condamnation ou à la culpabilité des autres de ce qui t'appartient. C'est pas tout le monde hein, qui arrive ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent se raconter que la vie qu'ils vivent, ils la vivent euh, à cause des autres. Tu vois ce que je veux te dire Et ça nous arrive à tous d'ailleurs. Quand on se sent épuisé, quand on se sent frustré, quand on se sent. À genoux, qu'on a vécu un abus, deux abus, trois abus, un, un milliard d'abus différents, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est pas euh, j'ai un pouvoir, je vais l'exercer. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est purée, mais à quel moment ça s'arrête en fait Mais le ça s'arrête, en fait, ça s'arrête quand nous on décide que ça s'arrête. Et quand on décide en fait de commencer à exercer notre pouvoir par nous-mêmes en prenant. L'entièreté de nos responsabilités vis-à-vis -vis de l'expérience de manifestation de la réalité qu'on souhaite vivre véritablement. Et donc qu'on laisse rien à personne vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Qu'on laisse rien à personne. Non, si je me sens comme je me sens actuellement, si je me sens impuissant, impuissante, c'est pas parce que toi tu fais ou pour tout ce que toi tu fais pas. C'est pour tout ce que je ne fais pas. Donc je vais trouver le moyen de faire ce que j'ai besoin de faire. Si je me sens triste, c'est pas parce que euh, tu me rends triste. T'as pas ce pouvoir, ni sur moi, ni sur personne d'autre que sur toi. Donc je vais choisir une autre émotion, et je vais voir comment est-ce que je peux la manifester au cœur de mon propre état interne, en fait. Je trouve ça toujours fou de me raconter à moi-même, ne serait-ce qu'à moi-même, je trouve ça fou chez les autres aussi, mais je trouve ça fou à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, tu sais, et que je me ressens triste et je me dis mais attends c'est quand même mes états émotionnels quand même ils m'appartiennent donc merde en fait j'ai pas envie d'être triste j'ai envie d'être en joie donc ok cette personne dans son influence si à chaque fois qu'on est en relation ensemble ben je suis dans cet état et passer cette personne qui va dégager c'est pas moi en fait moi je vais me proposer autre chose ailleurs avec d'autres gens pour pouvoir vivre cette joie que j'ai en moi et que je veux faire fructifier, que je veux amplifier. Et apparemment, avec cette personne, c'est pas possible. Donc, je vais pas continuer de lui demander ce qu'elle ne peut pas me donner, en moi me privant de me donner ce dont j'ai besoin et ce que je quémande à l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux te dire C'est ça que tu manifestes, toi. C'est cette conscience qu'à mon avis, tu ne voulais pas forcément manifester, pour des raisons qui sont les tiennes et que, et que je pourrais tout à fait être en mesure de comprendre, c'est pas le problème, tu vois. Je suis pas là pour juger. Ne t'inquiète pas, <laughs> je suis pas là pour juger du tout. Euh, ce que je vois là, moi, j'ai pu le traverser. Et on a pu me le dire aussi. C'est pas un problème, vraiment. Mais c'est pour avancer qu'on fait ces manifestes. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Et donc, il y a une manifestation. Tu vas te retrouver dans des circonstances physique, relationnelles, matérielles et financières qui vont te réclamer de prendre et d'exercer ton, ton pouvoir à bras-le-corps, en fait. Tu n'auras pas le choix. Parce qu'il y a une expérience disruptive que tu manifestes et où, finalement, c'est tellement dingue que tu te dis, moi, non, mais là, c'est tellement aberrant que je vais rigoler un bon coup et puis je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai tel que je suis, mais je vais le faire carrément et je vais le faire comme moi je veux. Et c'est gagnant. Et c'est... Et c'est ce à quoi cette personne contribue. Donc je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un départ de la part de quelqu'un ici qui ne peut plus vous porter, qui ne peut, peut plus continuer dans, dans la relation qui vous lie comme avant Parce qu'en Scorpion, Maison 2, c'est une expérience disruptive qui impacte euh, ton expérience physique, relationnelle, matérielle et financière au point que tu dois te proposer de faire un autre choix et d'exercer l'entièreté de tes responsabilités vers ce nouveau choix que tu vas devoir faire pour toi. Mais ça va être juste grand, quoi, derrière, je pense. Qu'est-ce que cette personne te conseille si tu t'arrêtes là Ouais. « The sacrifices you make today will worth it. »« Les sacrifices que tu fais aujourd'hui » Tu en, tu en récolteras quelque chose demain. L'arc de triomphe. Il y a un triomphe pour toi à la clé. Il y a un triomphe pour toi à la clé. Mais pour l'instant, tu ne le vois pas. Mais au moment où on te tire le tapis de sous tes pieds, là, tu vas voir le triomphe. Tu vas voir pourquoi, en fait. Et ça va beaucoup t'exciter. J'ai pas quelqu'un j'ai quelqu'un qui, qui passe de la peur à l'excitation. J'ai pas quelqu'un qui, en voyant le tapis lui être tiré de sous ses pieds, a peur, pas du tout. Presque, tu serais comme soulagée qu'on te tire le tapis des pieds, en fait. Parce que ça te laisserait pas le choix que d'être toi et de faire avec ce que t'as et de le faire avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de créativité. Et d'en avoir rien à foutre, en fait. On va voir en extension, du coup, euh, l'amoureux de l'épée, là, qu'est-ce qu'il décide, parce que c'est quelqu'un qui fait un choix, qui te le communique. Et moi, je te vois dire bon, bah, ok. Ok Fais ce que tu veux. Et puis, moi, je vais aussi bien faire ce que je veux, pour une fois, et puis ça va aller. On va voir quelle est son intention, son état émotionnel, son comportement à ton égard et qu'est-ce que cette personne va chercher à manifester à ton égard comme à tes côtés. Et puis comment cette personne contribue à ce que toi, tu te manifestes dans ton pouvoir. Mais il y a quelque chose d'inconscient, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance auquel une situation familiale, conjugale ou parentale vis-à-vis -vis de tes figures d'autorité de l'enfance t'avait demandé comme... Quelque chose à quoi ces personnes, par leur comportement, leurs interactions les unes envers les autres, t'avais comme donné l'injonction de renoncer. Il y a quelque chose en toi à quoi as renoncé que tu récupères en fait grâce à cette histoire. Quelque chose de l'ordre d'une forme de magie quoi, de ouais de magie. Sans faire le déni de la réalité, sinon c'est pas de la magie, c'est autre chose. Mais il y a une forme de magie en fait et d'excitation. De, 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 la, de toute la créativité que tu peux déployer et euh, de laquelle tu peux véritablement t'amuser et depuis laquelle tu peux grandir sur le plan physique, relationnel, matériel et financier au travers de tes valeurs, de l'exercice de tes droits, euh, au travers de, 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 de tes droits même de propriété, de jouissance, de possession, y compris matérielle, immobilière et financière. Euh, une magie euh, au travers de, de tes activités par lesquels tu pourrais percevoir de l'argent, une magie au travers de ta capacité de génération, de gestion, de fructification, quand tu en fais un jeu en fait, et quand tu prends au sérieux ce que tu fais, mais sans toi te prendre au sérieux toi-même, parce que ça pourrait t'avoir jusque-là beaucoup paralysé dans ce que tu te proposais, possiblement. D'accord. Je continue en extension pour ceux qui le souhaitaient. Si tu t'arrêtes là, je te dis à plus tard pour d'autres manifestes comme celui-ci avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Ok Je t'embrasse très fort. C'était The Cosmic Joker et quoi qu'il arrive, que Dieu te bénisse.